Salut tout le monde. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo. Seulement, avant de vous la présenter, je vais aller, enfin, je vais vous dire deux trois trucs. Du coup, je vais commencer par ma dernière vidéo que j'ai fait. J'avais fait un truc vraiment complet, quoi. Enfin, j'ai essayé, en tout cas, de faire quelque chose de complet. Et du coup, bah, ce que j'ai fait à la fin, bien sûr, j'ai re-regardé ma vidéo, hein, normal quoi. Il faut bien que je regarde s'il y a des problèmes ou pas. Et après, du coup, bah, j'ai regardé en entier et je me suis dit au final, bah, quand tu regardes la vidéo, tu dis il n'y a pas tant de choses que ça qui a changé, quoi. Il y a juste un truc de fin et une musique. Et c'est vrai, enfin, il y a un micro aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose hein, quand on regarde, mais malgré tout, quand même. Ça m'a pris un petit peu de temps, c'est le temps de trouver ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu sais pas, eh ben, ça prend du temps. Et donc, du coup, au final, j'ai mis quand même un petit temps à trouver tout ça, à vraiment trouver des bons trucs, à essayer vraiment d'avoir quelque chose que j'aimais bien, qui me correspondait un peu. Et donc, du coup, bah, ça met du temps. Et donc, en gros, je veux juste dire que ceux qui disent ouais, moi c'est ça, ouais, y a pas beaucoup de travail, je sais pas quoi, machin. Au final, je les comprends. C'est vrai qu'on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Bon, il n'y en a pas tant que ça non plus, mais c'est vrai que, enfin, voilà, j'avais envie de partager cette impression. Bon, faut dire aussi, je sais pas vraiment quoi dire dans les vidéos, donc forcément, il faut bien que je parle de quelque chose, histoire de faire passer le temps. Et donc, du coup, c'est vrai que je les comprends, qu'au final, bah, on dirait qu'il n'y a pas grand chose. Mais en fait le problème c'est que ouais comme je dis hein, quand on sait pas on met du temps hein. Une fois que tu sais tu fais en 2 secondes. Bah il y a le secret, on a mis combien de temps à le trouver? Bah, c'est parce qu'on le savait pas, on a mis je sais pas combien de temps là, une semaine ou enfin bon voilà, on connaissait pas forcément, on met du temps. Mais une fois qu'on le sait allez, en 3 heures il est torché le machin. 2 heures ou 1 heure et demie, je sais pas. Non ouais, ça dépend si t'es bon ou pas quoi, mais on va dire 3 heures si pour la moyenne quoi. Et donc du coup, la deuxième chose que je voudrais vous parler, c'est que dans la dernière vidéo, je vous avais dit que bah, justement je ferais ça là, donc avec les parasites, là, les 5 parasites dans le train. Et je vous ai dit que j'allais faire ça, mais en fait, avant de faire ça, il me manquait, enfin je devais faire une autre vidéo, c'est Strike, donc c'est avec le bouclier. De vraiment de niquer 10 zombies avec son attaque spéciale. Et du coup bah vu que je vous avais dit que je devais faire ça, bah j'ai fait ça en premier. Et donc du coup là comme vous voyez bah j'ai tous les succès du zombie sauf le secret bien entendu. Parce qu'il n'y a personne pour jouer avec moi, je suis tout seul. D'ailleurs s'il y a des gens hein, qui veulent le faire sur Xbox 360, il n'y a pas beaucoup de monde, enfin je crois. Donc s'il y a quelqu'un qui veut le faire, moi je suis présent, je suis là. Je suis pas toujours disponible parce que j'ai un padré qui est un peu contre tout ce que je fais et donc du coup il croit que je fous rien de la life. Forcément, il est toujours là à vouloir faire quelque chose. Donc c'est vrai que je suis pas toujours disponible, mais bon, généralement je peux quand même être disponible, c'est bien. Voilà, donc si vous voulez jouer et faire le secret, ou ne serait-ce juste que jouer, hein, je vous mettrai mon gamer tag en description. Ouais, donc si vous voulez jouer avec moi et faire le secret, il n'y a pas de souci. Et donc du coup la troisième chose que je voulais vous parler, c'est que j'allais bientôt lancer une nouvelle série sur le multijoueur, parce que maintenant c'est les succès multijoueurs que j'ai à faire. Mais le truc c'est que sur les succès multijoueurs, il n'y a pas vraiment d'aide à avoir, quoi. Enfin, en gros, t'es là, tu dois faire 5 éliminations sans mourir. Je vais pas vous apprendre à faire 5 éliminations sans mourir quoi. Enfin c'est pas compliqué à comprendre, je peux pas vraiment vous aider. Du coup je vais lancer une nouvelle série sur tout ce qui est défi tout ça. Et au fur et à mesure des épisodes, je vais essayer par exemple le premier épisode de défi. Je sais plus ce que c'est le premier défi. Je me marre un peu comme une merde. Le premier défi. Bon on va dire par exemple, on va prendre un défi au hasard, genre tuer 10 personnes en étant sur un mur, en courant sur un mur. Et ben je vais faire par exemple ce défi là. Et puis après, voilà, donc ce sera en plusieurs parties parce que c'est 10 pour la première étape. Après, il y a la deuxième, puis la troisième, donc ça augmente. Et en gros, bah voilà, je ferai des épisodes comme ça en partie. Et comme ça, moi, ça sera pas mal. Ça permettrait de pouvoir faire un bon truc sur le multijoueur. Et la cadence serait de environ tous les 2 jours. Voilà.
Donc du coup, moi je vous dis ciao, à une prochaine vidéo, donc elle va sortir sûrement bientôt. Et du coup, ah bah attends, voilà, c'est la fin, c'est pas grave, je rajouterai un truc à la fin, c'est pas grave. Donc du coup, je profite pour vous parler que j'avais 323 liquide divinium, et donc du coup, ça avance pas trop vite là. Enfin, la dernière fois, je crois que j'en avais 100 et quelques, c'est vrai que ça avance plutôt vite, mais là en ce moment même, là je fais plus trop. Mais je vais essayer vraiment d'avancer pour vous présenter vraiment les 999. Et on va ouvrir les 999 ensemble. Ça va durer, je sais pas, une dizaine, une quinzaine de minutes. Mais on va les ouvrir. On va voir un peu tout ce qu'on va gagner. Donc je vais regarder vraiment avant qu'est-ce qu'il va y avoir. Enfin, qu'est-ce que j'aurai. Enfin, qu'est-ce que j'ai dans les atouts, combien j'en ai. Puis après, j'ouvre les 999. Puis après, je regarde combien j'en ai. Histoire vraiment que voilà, quoi, ça tape du lourd. Donc du coup, ouais, je voulais juste vous dire ça parce que franchement ça va être génial quoi. Donc du coup voilà, donc tous les 2 jours il y aura du truc multi. Je sais pas quand c'est que je vais lancer, je sais pas si je vais lancer aujourd'hui ou si j'ai pas le temps, je lancerai demain parce que j'ai aussi les strikes à faire pour aujourd'hui. Et donc du coup je sais vraiment pas. Donc du coup je vous dis à une prochaine vidéo donc pour strike, donc du coup ciao. Alors aujourd'hui, je vous présente le succès de tuer un ennemi de loin, donc de 50 mètres en fait, d'une distance de 50 mètres. Et en gros, faut le tuer de 50 mètres, mais en solo, c'est plutôt cool.